Coucou, alors nous allons faire une danse de Guillaume Richard. Bon, pas tout seul, hein. Je crois qu'il l'a écrite avec Roy Verdon, si je ne fais pas d'erreur, et Sébastien Notland. Voilà. Alors, la chorégraphie, elle s'appelle Oceans Will Climb, je ne sais pas mon accent, je ne sais pas trop, c'est pas très grave. Sauf que moi, je vous mettrai le lien avec la vidéo, le cours, la musique et tout, mais j'utilise pas du tout cette musique-là. Bon, c'est pas très grave, hein. Elle n'est pas difficile, il n'y a pas de tag, il n'y a pas de restart, il n'y a rien du tout. Pas très difficile, vraiment pas très difficile. 32 comptes, voilà. 4 murs. Donc, je vais faire out droit, out gauche, un shuffle arrière. Un rock arrière du pied gauche et je fais un shuffle demi-tour. Donc un chassé demi-tour sur la droite pour me retrouver à 6 heures. Shuffle demi-tour. Le chassé, c'est trois temps, hein? Donc je fais out droit, out gauche, shuffle arrière, rock arrière, shuffle demi. Ça va? Je fais avec les comptes. 7, 8, 1, 2. 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Les 8 comptes suivants, je recule le droit, je recule le gauche, je fais un coaster step et je marche le gauche, je marche le droit, je marche le gauche et je marche le droit. Donc, je suis à 6 heures. Je suis à 6 heures, je fais recule le droit, recule le gauche, coaster step. Et je marche gauche, droit, gauche, droit. Si je le fais avec les comptes, ça fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Mon poids est sur le pied droit quand je suis à 8. Et ce que je ne vous ai pas dit, mais il va falloir essayer, à votre niveau, c'est tout à fait possible. Quand je fais les marches, je fais 5, 6, 7, 8. 8. Donc je refais depuis le début. Out, shuffle arrière, le rock arrière, le shuffle demi, recule, recule, le coaster step, marche, 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 marche. Mon poil sur le pied droit. Je fais un cross rock gauche sur droit et je chasse à gauche. Et je fais un cross rock droit sur gauche et je chasse à droite. À droite. Ça fait 8 comptes. Ça fait 1. 2, 3 et 4 et 5, 6 et 7 et 8. Je vais faire une weave sur la droite que je vais finir pointée. C'est important de la pointer. Et la weave va démarrer devant. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Je vais faire un jazz box quart de tour. 5, 6, 7, 8. Donc je refais la chorégraphie en entier. Le out droit, le out gauche, le shuffle arrière du pied droit, rock arrière du pied gauche et shuffle demi-tour. Je suis à 6 heures. Je fais recule le droit, recule le gauche, coaster step du pied droit et je fais marche le gauche, marche le droit, marche le gauche, marche le droit. Mon poids est sur le pied droit. Je fais un cross rock du gauche sur le droit et je chasse à gauche. Je fais un cross rock du droit sur le gauche et je chasse à droite. Et puis je fais une weave devant, côté, derrière, je pointe. Et je fais un jazz box quart de tour pour terminer. 5, 6, 7, 8. Je refais un mur pour vous aider avec les comptes. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, elle tourne d'un quart de tour sur la gauche à chaque fois. Donc, je commence à midi, je finis à 9h. Après 9h, je finis à 6h. Après 6h, je finis à 3h. Voilà. Très facile, pas de tac, pas de ristat sur la musique d'origine.
Sur la musique que j'ai choisie, il y aura un petit restart au troisième mur, au 16e compte. On l'entend parfaitement. Et en fait, c'est même plus qu'un petit restart. Hein, ça, il y aura un touch à la place. Bon, je vous mets la musique que j'ai choisie. Vous verrez, ça n'a rien à voir avec la musique d'origine. Il est temps d'aller pousser les gars. Les rêves à soulever. Et avant de trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être bon, pour passer faire pour ton chapitre. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné et tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos. Allez, 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 bon courage.